tirage des énergies de ce mercredi 11 mars 2020. Donc toujours avec le Angelinas Tarot, le Normand Tarot, n'importe quoi. Je crois qu'il existe en plus, le Angelinas le Normand. Et toujours avec l'oracle du chemin pavé d'or. C'est parti! N'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut ou à vous abonner. Eh ben écoutez, aujourd'hui on a quand même deux fois les nuages, donc une journée où on va... alors, deux fois les nuages, mais je crois qu'il y en a une troisième. Non, c'était dans un audio que j'ai regardé aujourd'hui. Bref, donc on a les deux cartes de nuages, donc on a la notion d'avoir la tête embrouillée, en fait. Hein. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on va commencer la journée avec... on sait pas trop comment cette journée va se passer. On est un peu... ouais, on est un peu embrumé, j'ai envie de dire. Et puis, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir quelque chose qui va nous pas faire passer vers autre chose. Parce que cette carte des nuages, en fait, c'est le chemin qui nous mène vers la lumière. Et donc, on dépasse les nuages, on sort des nuages, d'accord? Alors que là, on est dedans. On est vraiment dans nos émotions. Et nos émotions, en fait, ça nous tourne vers l'incertitude, vers on sait pas, vers... on a l'impression que ça stagne, vers on ne sait pas comment on va être mangé, ça il n'y a rien qui se passe, enfin on voit rien de toute façon, voilà. Donc là on va passer à autre chose, et quand même cette carte là elle on a deux fois les nuages mais deux fois le trèfle. Donc, et cette carte là elle est entourée par le trèfle. Déjà cette carte là elle nous dit on sort des nuages, et pour moi c'est la chance, il y a une opportunité, mais une opportunité qui va nous pousser à devoir prendre une décision, à faire un choix. En fait, hein. Oui, non, peut-être, on a eu hier la notion avec la lettre et le livre, peut-être de paperasse à signer, d'informations, de contrats, de choses comme ça, et peut-être que justement aujourd'hui on nous demande de... alors, qu'est-ce que tu fais, en fait, hein. On va recouvrir tout. Eh bien, ma foi, écoutez... on a au début de journée, hein, cette journée va peut-être commencer justement avec ces nuages et du coup forcément cette autoflagellation, ce je vais pas y arriver, qu'est-ce qui se passe, que je comprends pas, machin, donc peur, stress, doute, etc. Donc ça, ok. Et puis il va y avoir pour moi le trèfle, c'est avec le cercueil, c'est la mort et la renaissance, c'est l'opportunité, la chance de pouvoir faire mourir quelque chose pour le faire renaître autrement. Et puis là on a quand même... comme je vous ai dit, ces nuages qui sortent, en fait, on va vers la lumière, on va vers la lumière de ce qu'on en avait en nous, en fait, de nos projets, de ce qui se tramait en nous, et puis on a une matérialisation entre le trèfle et le soleil, là, pour le coup, on a une matérialisation, et on a une verbalisation de notre choix, quel que soit ce choix, ce sera le meilleur pour nous, la décision, en fait, on va la verbaliser, on aura pris ce choix, en fait, on aura fait ce choix, et je pense que ce sera le mieux pour nous-mêmes. On va aller voir avec l'oracle du chemin pavé d'or, mais avant... quand même j'ai envie de refaire la ligne, parce qu'on a quand même la fin aussi du stress, de la peur et des doutes avec le cercueil, hein. Et puis on a une forme de projet en nous qui prendra forme et où on pourra le verbaliser au monde, en fait, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme journée. L'abondance, les amis, l'abondance, que demande le peuple? L'abondance. Voilà, pour moi aujourd'hui c'est... on a quand même une dominante de vert avec cette carte-là, plus les deux trèfles. Pour moi c'est la chance, c'est la... ouais, c'est la possibilité de faire évoluer les choses. C'est peut-être que la réponse aujourd'hui à votre question tombera et que ce sera positif. Et que aujourd'hui vous aurez peut-être de bonnes nouvelles, des situations qui se transforment, des matérialisations, des... ouais, aujourd'hui en tout cas on s'apprend le bon chemin. On va aller voir le livret. L'abondance. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance. À la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'intérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Croyez en vous.
Vous en êtes capable, vous êtes doué, aussi doué que les autres. En tout cas, c'est sûr, vous n'êtes pas moins doué que les autres. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut et belle journée!